Des phoques et des lions de mer pour empêcher les attaques de requins sur les humains. C'est l'idée d'une équipe de chercheurs australiens. Au zoo de Sydney, ils mènent en ce moment une étude pour comprendre pourquoi les squales attaquent les hommes. L'une des hypothèses est qu'ils les confondent avec leurs proies habituelles. Les chercheurs enregistrent donc les sons produits par les phoques et lions de mer dans une piscine du zoo et filment leurs mouvements pour simuler ce qu'entendent et voient les requins en pleine mer. Sharks mistake their natural prey with humans, so we need to understand exactly what it is that an animal gives off that brings sharks in. Les équipes en profitent pour étudier les comportements du squale et notamment les éléments sonores ou visuels qui les font fuir. Une piste pour équiper les surfeurs, principale cible des requins. We're looking at things like bright flashing lights, underwater sounds, and even things like bubble curtains. There's some evidence that bubbles deter sharks. En 2014, 118 attaques de requins ont été recensées par le Shark Attack File, dont 10 mortelles.